Une nuit qu'il était parvenu à s'introduire dans le parc du château, Déa, sentant sa présence, descendit par les marches de sa chambre. Gwynplaine ? C'est toi ! Enfin ! Pour Déa, Gwynplaine était le frère, l'ami, le guide, le soutien. Et là où la multitude voyait le monstre, elle voyait l'archange. Tu es si beau ! C'est que Déa, aveugle, apercevait l'âme. Si tu avais des yeux pour me voir, tu serais effrayé par ma laideur. Voir serait donc une chose qui cache la vérité ? Moi, je ne vois pas. Je sais. Qui a provoqué cette duchesse d'une telle manière? Tu cherches à faire interdire le spectacle, et puis ce baiser interminable, là. On peut nous faire censurer pour ça. Vous faites tout ce que vous voulez, là, dans les coulisses, mais pas sur scène. Attends, il y a plein de choses que tu nous entends dire en coulisses et que tu nous fais répéter sur scène. Ça n'a rien à voir avec la censure, et puis c'est moi l'auteur. Cette duchesse, c'est elle qui m'a provoqué, avec son air de mépris avec tout le monde. Mais le monde est ce qu'il est, il n'a pas besoin de toi pour aller mal. Alors, occupe-toi de ton public, et surtout laisse cette duchesse tranquille.